Patrick Jagoud, Sentier d'auteur, la Jagoud d'émission littéraire, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Loulou Robert. Loulou Robert, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Non, pas du tout. Je viens du nord-est de la France, de Metz. Voilà, donc je ne suis pas savoyarde, je suis lorraine. Loulou Robert, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Déjà écrire, ça me prend beaucoup de temps, mais à part ça, je suis mannequin et un petit peu comédienne aussi, voilà. Loulou Robert, mannequin, comédienne, dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire? Dans quelles circonstances? C'est arrivé il y a un an, en fait, ça m'a pris comme ça, comme un besoin, j'avais besoin d'écrire. J'ai pas cherché à le faire, ça m'est juste tombé dessus et j'ai sorti Bianca, voilà. Bianca, donc Loulou Robert, est-ce que vous voulez bien nous parler de ce livre? Oui, bien sûr. Alors Bianca, c'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui est internée en hôpital psychiatrique et parce qu'elle est en souffrance comme beaucoup d'adolescents. Et c'est l'histoire de sa traversée pendant un an, ses rencontres avec des histoires d'amour, d'amitié et comment la vie reprend le dessus. Voilà. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Un petit peu plus? Oui, je sais pas. Bah, à travers elle, en fait, je parle de... C'est un message que j'adresse à tous les ados et afin qu'ils se sentent moins seuls. Et je pense qu'à travers Bianca, il y en a beaucoup qui se reconnaissent. Voilà. Et à travers les autres personnages aussi. C'est un roman qui, à la fois, il traite de sujets qui sont assez lourds, mais d'une manière assez lumineuse. Et c'est pas un livre qui est triste, au contraire. Loulou, qu'est-ce que vous leur dites aux ados? J'espère que Bianca les aide un petit peu à traverser cette période qui n'est pas facile, je sais. Voilà. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Loulou Robert intitulé Bianca, publié aux éditions Julliard. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis et à la semaine prochaine, si ça vous dit.